Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle vidéo des magasins Lidl. Donc ce matin, je suis parti en magasin pour acheter la dernière visseuse à choc de chez Parkside. Donc c'est la brushless, c'est la sans charbon. C'est en fin de compte la version plus moderne que celle-ci. Celle-ci était aussi en vente ce matin à un prix de 37 euros et celle que j'ai achetée était aux environs des 50 euros. Donc j'ai voulu acheter celle-ci pour une simple raison, c'est quand même qu'elle n'a pas de charbon. Donc la durée de vie est bien plus importante que celle-ci. Et par contre, elle tape un peu plus, elle force un peu plus que l'ancien modèle qui est ici. Donc celui-ci, je m'en sers très 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 régulièrement. Je n'ai jamais eu de problème, elle a toujours fait ce que je lui ai demandé. J'ai vraiment eu aucun souci avec. Voilà. Donc celle-ci, c'est la visseuse à choc, la PDSS AP-B2. En 20 volts, donc vous pouvez adapter les batteries comme ceci, donc les anciens modèles dans cette forme là, en 2 ampères et aussi en 40 ampères. Et en ce moment, ils vendent aussi les jeux de batterie donc connectés, donc vous pouvez aussi les acheter. Mais en sachant qu'avant, quand j'avais acheté celle-ci, la batterie était fournie ainsi que le chargeur, alors que maintenant la plupart des outils Parkside sont vendus sans batterie. Donc quand vous faites le calcul entre l'outil, le chargeur plus la batterie supplémentaire, ça vous amène quand même à un prix qui avoisine à peu près un bon outil de bonne marque d'électroportatif vendu en grande surface de bricolage. Voilà. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique par rapport à l'ancien modèle? Donc on a un moteur sans balai, donc brushless. Donc celle-ci avait des balais, donc des charbons. Nous avons une usure réduite pour une très longue durée de vie. Normalement, c'est pour cela que c'est des brushless. Ensuite, une présélection de 4 vitesses de rotation avec affichage LED de la valeur sélectionnée, donc 120, 150, 190 et 226 Nm, alors que celle-ci était vendue pour une 130 Nm. Donc celle-ci va frapper quand même bien plus fort. Donc on verra ça dans le test. La vitesse réglable en continu. Un porte-outil à emmanchement 6 pans, donc c'est le petit porte-outil qui a tout au bout à l'extrémité. Donc vous pourrez mettre tous les embouts en 6 pans dans ce modèle-là. Et nous avons un éclairage LED intégré afin de voir où vous travaillez. Le clip ceinture et une poignée corps avec revêtement antidérapant. Voilà. Donc on va faire le petit déballage et puis on va la comparer comme ça, FISA, avec l'ancien modèle. Mais normalement, il n'y a pas photo, il y a vraiment une différence flagrante. Voilà, donc on y va pour le déballage. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle est présentée en valise, donc Parkside Performance, et tous les outils électroportatifs de chez Parkside sont vendus en valise, donc ça c'est super pratique pour le rangement. Moi, au niveau des valises, je les laisse de côté pour une simple raison, c'est comme vous pouvez voir, je les suspends à l'arrière. Pour moi, c'est bien plus pratique, plus accessible. Voilà, donc elle est vendue en petite caisse et la machine, franchement, elle ne paye pas de mine. Hein. Elle est vraiment très très petite et comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à part le mode d'emploi dans un coin. Mais sinon, il y a beaucoup de plastique pour un petit engin comme celui-ci. Bon, après, si vous achetez le chargeur plus les batteries, vous pourrez toujours les ranger à l'intérieur de la valise. Voilà. Donc, nous avons le mode d'emploi qui est, comme d'habitude, en français, ce qui n'est pas le cas de certains électroportatifs, mais celui-ci est en français. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas photo hein, entre celle-ci, brushless, et puis la première que j'avais achetée. Elle est bien plus compacte. Le poids est similaire, on va dire, hein, à quelques grammes près, mais sinon, elle est quand même bien plus compacte. Nous avons, comme d'habitude, la vitesse, du moins la rotation, donc dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire, donc ici, et si vous le mettez au milieu, forcément, vous ne pourrez pas appuyer dessus, et vous ne pourrez pas donc dévisser. Voilà. Donc, notre porte-outil, qui est ici, voilà, on peut mettre des embouts à tête 6 pans afin donc de pouvoir se mettre à l'intérieur. Donc pour cela, vous appuyez directement, il n'y a pas de problème. Et pour la retirer, vous levez vers l'extérieur, vous enlevez votre petit embout et vous changez l'embout sans souci. Alors que sur l'ancien modèle, vous voyez, vous êtes obligé donc d'appuyer et en même temps lever la petite sécurité là et finir donc de l'insérer
afin de maintenir votre embout à l'intérieur, alors que le dernier modèle, ce qui est pratique, c'est que vous la mettez dedans, hop, et vous l'enfoncez, et là, votre embout, eh ben, il tient à l'intérieur. Donc, les batteries, comme je vous disais, ben, les anciennes batteries 20 volts, il n'y a pas de souci, elles s'adaptent dessus. Voilà, horaire, anti-horaire. Et si vous avez des 2 ampères, vous mettez des 2. Et si vous faites du travail un peu plus important, vous pouvez mettre du 4 ampères. Il n'y a aucun souci là-dessus. À cet endroit-là, juste devant, nous avons donc les couples de serrage. Nous avons du 120, 150, 190 et 226 Nm. Donc pour sélectionner donc le couple de serrage, vous avez juste à appuyer donc sur le petit bouton rouge et vous sélectionnez donc votre couple de serrage. Ici nous sommes à 150, ici nous sommes à 190 et ici à 226 Nm. Voilà. Donc on va faire le test avec les deux visseuses à choc. Donc mon ancienne de chez Parkside et la nouvelle donc Parkside Performance dans une bûche de chêne. Donc je travaille pas trop le bois, hein, même pas du tout. Donc le bois que j'ai, c'est en fin de compte, c'est pour mettre dans l'insert pour pouvoir me chauffer l'hiver. Voilà. Donc j'ai trouvé une bûche de chêne et on va faire l'essai avec du M10 et des vis qui font 180 mm de longueur. Donc avec une empreinte en 17 à douille. Et après, on fera le test avec directement des petites vis à bois comme ceci. Normalement, je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour pouvoir les rentrer à l'intérieur du chêne. Voilà. Donc, on va faire le premier essai avec ma vieille visseuse à choc. Donc, pour cela, ben, j'ai été obligé de mettre plusieurs réductions dessus afin de pouvoir avoir mon empreinte de 17. Donc, pour cela, ben, je l'insère à l'intérieur de ma vis, de ma visseuse. Et puis après, je prends mon premier tire-fond. Et puis on va voir jusqu'où ça peut aller. Donc on se met en mode vissage et puis on y va tranquille pour le départ. Et là maintenant, on peut y aller à fond. Donc là, elle commence quand même à bien résister. Hein, donc j'ai forcé un petit peu. Alors évitez de forcer. Hein, si franchement, elle a du mal à rentrer, pré-percez, faites un pré-trou avant de pouvoir l'insérer. Mais sinon, bon, là, j'ai essayé. Ça force quand même pas mal. Et on va voir maintenant avec la Parkside Performance, voir si on peut faire mieux ou pas du tout. Hein, on va voir. Donc pour cela, même vis. Et puis, on va la rentrer dans le bois tout doucement. Alors pour cela, on n'oublie pas, je me suis mis à pleine puissance, donc 226 Nm. Donc on remet dedans, vis tout doux. Voilà, donc là elle est dedans, et puis on va essayer d'y appuyer. Ah, par contre, elle se met en sécurité. Donc ce qui veut dire que dès qu'elle commence à bien forcer, ben, elle s'arrête. Pour cela, ben, vous êtes obligé de rappuyer à chaque fois sur la languette. Je vais changer de batterie, je vais lui mettre une 4 ampères-heure. Donc peut-être que c'est dû à la batterie. Donc peut-être que plus votre batterie est grosse, ben, plus elle aura de puissance forcément. Et peut-être qu'elle ne s'arrêtera pas comme cela. Donc on y va, on essaye. Voilà. Donc on va dire que c'est au maximum parce que comme vous avez pu entendre, eh bien, elle s'arrête de plus en plus vite. Donc pour moi, on est arrivé vraiment au maximum qu'elle pouvait enfoncer. Donc là, c'est du M10. Elle peut enfoncer des vis de M16. Alors forcément, je ne pense pas qu'elle soit très très longue. Mais en M16, ça doit pouvoir les enfoncer. Donc je vais comparer les profondeurs de vissage. Donc de 18 cm de long, on a pu rentrer donc 7 cm dans la bûche de chêne. Comparé à la vieille donc de chez Parkside, donc là on est à 6 cm, donc 6 cm, donc on a bien une bonne différence, une différence de puissance. Celle-ci frappe bien plus que celle-là et sa puissance est bien plus élevée que celle-ci, donc aucun problème pour ces deux vis. Maintenant on va essayer directement avec ben, des vis à bois tout à fait classiques. Donc pour cela il faut enlever, extraire les embouts. Alors comme vous avez pu voir, ben, j'ai quand même assez forcé et mon empreinte, si vous voulez, est coincée à l'intérieur. Donc pour cela, il va falloir y aller à la paire de pinces pour pouvoir l'extraire. Alors
évitez ça, hein, parce que ça peut vous abîmer vos empreintes d'outils et même de votre machine. Donc évitez de trop forcer. Si ça commence à forcer, le mieux c'est prépercer avant et après enfoncer. Donc on va prendre une empreinte comme ceci et on va prendre une vis à bois tout à fait classique. Donc là normalement il doit y avoir aucun souci de perçage. Donc on y va. Même, je peux même mettre la batterie de 2 ampères et puis on va l'enfoncer. C'est parti. Voilà, donc là elle s'est arrêtée, donc il n'y a pas de problème, hein. Elle est carrément rentrée à l'intérieur. Et maintenant on va faire avec moi vieille. Donc elle, c'est pareil, si vous enfoncez, elle va continuer à enfoncer. Et puis jusqu'au moment où elle ne pourra plus enfoncer, donc vous allez en fin de compte la faire travailler pour rien du tout. Donc elle ne s'arrêtera pas par rapport à l'autre. Donc on y va, voilà, c'est parti. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai quand même traversé de l'autre côté. Donc elle ne s'est pas arrêtée, mais franchement, on peut dire qu'elles sont kiff-kiff, hein. Pour moi, elles font le même boulot, bien que celle-ci soit un peu plus performante que celle-là. Mais franchement, celle-là, elle fonctionne super bien. Voilà, donc c'est la conclusion de cette visseuse à choc brushless de Parkside Performance. Ben, que dire? Eh bien, elle fonctionne très bien. Elle est un peu plus petite. Elle pèse un petit peu moins lourd, même avec les batteries. Là, franchement, c'est bien moins lourd. Elles ne prennent pas énormément de place. Elles sont quand même très, très pratiques. Ici, vous aviez le support à ceinture afin de pouvoir la suspendre à votre ceinture. Moi, je l'ai enlevé pour une simple raison, c'est que comme c'est celle-ci qui va me servir maintenant à travailler, je peux la suspendre donc sur mon support. Donc, c'est pour cela que j'ai enlevé le support à ceinture. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, ne vous hésitez pas, vous les mettez juste en dessous, j'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus le pouce, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche qui est juste à côté, là, juste à côté. Et puis pour ma part, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous, prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye.